Je suis un garçon. Ah, pardon, excuse-moi, Ayoub. C'est pas évident à travers l'ordinateur, hein. Je suis désolée. Hein. Entre les pseudos imprononçables et quand je me trompe de genre, on n'est pas rendu. Hein. Désolée, Ayoub. Hey, coucou, Cloud. Obligée de te regarder en attendant mon bus. Comment t'es trop gentille avec moi? Ah ça, s'il n'y avait pas ton bus, tu ne m'en regarderais pas. Hein. Vilain. Je viens seulement de percuter que t'es une Sims. Eh ouais, je suis une Sims. Je sais pas s'il va avoir le temps de bien dormir quand même. On va essayer. On va essayer de le faire dormir un tout petit peu. Genre s'il pouvait repasser dans le verre. Pour pas finir la journée complètement mort. Allez. Ouais, nickel. Allez, au boulot. Borderie, oui. Je veux bien 1 million de PO. Je le sais pas, mon pauvre Cloud. Je dois être à 300 000 PO, un truc comme ça. 300, 400 peut-être. Mais un grand max, quoi. Tu veux pas parler avec elle, là, parce qu'elle est au bout de sa vie. Apprendre à parler, ça doit remonter le social, ça. 1 million de PO, non, mais je sais pas. Je trouve la petite trop chou... Ah, mais elle est trop, trop mignonne. C'est grâce à son père, ça. C'est normal, c'est moi qui l'ai fait. Du coup... Est-ce que ça remonte son social? Ah si, c'est bon. Bon, je fais quoi? Je continue ma maison de Sims de riche ou je continue ma petite famille de Sims vampire? Alors ça, c'est toi qui vois. Moi, n'étant pas très doux en construction et n'aimant pas forcément ça plus que ça, je dirais va jouer avec ta famille, mais... Mais bon, je peux comprendre que t'as envie de construire. Allez, on y retourne. Allez, regardez des vidéos. Toi, tu vas vendre ta toile. Voilà. Tu vas nettoyer. Et on va faire surréaliste. Donc, voilà, surréaliste, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Nina Caliente se demande si je peux venir chez elle. Non. Je t'excuse uniquement si t'enfermes la mère et la petite dans 2 mètres carrés avec un lit de bambins glaciaire. Non, Ayoub. Non, je suis désolée. Même si tu es un garçon, c'est toujours non. Je ne vais pas tuer mes Sims. J'en ai besoin pour finir mon challenge. Désolée de te décevoir. Le truc de la maison de riche, c'est pas pour moi, mais pour un streamer qui a voulu faire une maison de riche, mais hyper moche, du coup, je me suis dit que je voulais en faire une. D'accord. Ah bah après, remarque, au moins tu l'as fait, puis tu fais ta maison, et puis t'es tranquille, quoi. Bon, et sinon, le métier, dis-moi que ça avance et qu'il va avoir sa promo. S'il te plaît, dites-moi qu'il va avoir sa promo. Parce que j'ai pas du tout envie d'attendre encore. Parce qu'après, il y a 3 jours de repos, donc. C'est pas gagné. Faut que la petite barre, elle monte. Comment vont les autres? Elle commence à avoir la dalle. Elle fera manger après. Et au bout de sa vie. Ok, donc on va la faire manger et puis on va aller lui lire une histoire. Ouvrir. 4 jours. 2 heures. Ouais, toi tu vas manger ça. Toi tu vas vendre ça. Bon allez, je vous laisse. Je vais manger coréen ce midi. Pff. Je ne dirai qu'une chose. Pff. Et bon appétit quand même.
À plus tard. Quand j'aurai fini le live, je répondrai à ton texto. Après, elle est en train de manger. Pourquoi elle n'a pas mangé? Ah, parce que ça a périmé. Ah. Hop, prendre une portion. Le live finit à quelle heure? Je pense dans pas trop longtemps. Je pense que d'ici une petite demi-heure maximum, on finira le live parce qu'il est déjà à midi et demi, que je commence un petit peu à avoir faim et un petit peu à avoir mal, et que ça fait déjà 2h30 qu'on est ensemble. Donc je pense ouais, une petite demi-heure, et puis après on arrêtera là. Je pense pas qu'on verra la rénovation aujourd'hui. Je pense que ce sera pour le prochain live. Vous perdez pas grand chose, hein, ceci dit. Allez, viens ici. On va lui raconter une histoire. Comme ça va faire monter son social et son imagination. C'est bon, t'as fini. Alors. Oh, tu nous saoules, Katrina, là. Lire une histoire à Agathe. Un tabouret pendant le stream, mais c'est bon. Un tabouret? Pourquoi un tabouret? Je vais pas lui lire une histoire. Allez, lire une histoire. Allez. Oh, elle a buggy encore. Oh là là, ça m'énerve. Hop. Moi j'ai pris un bol de céréales ce matin et j'ai pas faim. Moi j'ai pas déjeuné donc je commence à un peu avoir... Mais pourquoi tu veux pas aller lire une histoire de merde? Je comprends pas. Mais pourquoi tu peux pas passer? Ah. C'est bon, ça va aller, tu vas pouvoir passer. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah, lire une histoire. Ah bah quand même. Ah, génial, il a eu sa promo. Donc il va être chef, hein. Parce qu'il y a mixologue, on a dit qu'on arrêtait. Chef. Taboulé. Ah d'accord, ah oui, je comprends mieux taboulé. Et un tabouret, pourquoi que je prenne un tabouret? Je mange pas le matin. J'ai eu la même bug, garçon, impossible de lire une histoire. Mais ça vient peut-être de mes CC aussi. Donc, ouais, toi tu vas dormir, t'es au bout de ta vie. Tu te divertiras demain matin. Parce que tu travailles pas avant vendredi. Il y a un jour férié ou quoi que... Ah oui, il y a Noël au milieu. Ouais, je suis pas sûre qu'on va fêter Noël, les gars. Vous avez vu le prix du sapin? La réno. Ouais, j'ai vu, mais... je pense que la rénovation, je vais la faire plutôt... je vais la faire plutôt hors ligne. Parce que je suis pas forcément très à l'aise ni très, très douée dedans. Et du coup, me voir galérer, c'est pas très intéressant. Donc je pense que je vais aller galérer toute seule de mon côté. Et que vous verrez que la version finale quand j'y aurai passé 3h30. Parce que j'ai dit que le live s'arrêtait dans une demi-heure. Si je me lance dans la rénovation, on y est jusqu'à demain matin. Donc non, pour l'instant, je pense qu'on va finir le live comme ça. Quelle heure? Il est 33. Ouais, on va se dire une heure moins le quart à peu près pour la fin du live. Je vous dis parce que bon, déjà j'ai un petit peu faim, puis surtout je commence un petit peu... je sens que les antidouleurs ne font plus effet, donc il faut que j'aille reprendre ma dose. Live 24 heures pour la réno, oui, c'est ça. C'est à peu près le temps qu'il va me falloir. Puis bon, vu comment je vais être mauvaise,
Au fur et à mesure, chaque heure, je vais perdre 10 followers. La barre, elle va repartir en rouge dans l'autre sens. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Donc, on continue. Du coup, elle est partie dormir. Toi, t'as sommeil, mais t'inquiète, tu vas dormir. Est-ce que ça fait monter un peu le social? Que dalle. De l'autre côté, elle a fini. Allez, toilette et dodo. Live à moi. Mais c'est ça, Yves. Tu m'as bien cerné. Putain. Oh, c'est chaud. C'est chaud. Bon, bah là, on va envoyer tout le monde dormir. Demain matin, Dina, là, va falloir qu'elle fasse un petit peu de ménage. On est en vitesse rapide. Toi, tu vas dormir tranquillou. Puis tu vas prendre des restes. On va attendre un peu pour faire à manger. Atteindre le niveau 2 de la compétence gastronomique. D'accord. Niveau 8 de la carrière culinaire, niveau 5 astronomique et préparer 3 plats gastronomiques lors d'un événement. Alors là, autre chose. Les antidouleurs, ça va quand ils agissent. Moi, je prenais un antidouleur 3 fois par jour et il ne faisait aucun effet sur moi et c'était du lourd de la lamaline. Ah ouais, c'est lourd la lamaline pourtant. Non, moi là, comme la codéine marchait pas bien, elle m'a filé autre chose. On va tester, voir si ça fait mieux effet. Ouais, la lamaline, c'est fort quand même, hein, normalement. Aucun effet. Hein. Après, ça dépend des molécules. Hein. Tout le monde réagit pas de la même façon. Ou même, moi, pour mon dos, je prenais du doliprane codéiné. J'ai des collègues ou des amis à qui la codéine, ça les rend complètement malades. Moi, ça me fait rien du tout. Donc, c'est vraiment. C'est vraiment aléatoire. Elle a fait la maline. Non, ça c'est nul, ça. Ça, tu sors. Tu sors tout de suite. C'était pas. Il est vraiment mignon, ton Sims. Le lui là. Le beau gosse. Ah bah ça, hein. Si. Tu sais bien, Perle, que si tu aimes les beaux gosses, faut pas hésiter à faire un tour dans ma galerie. J'ai une collection plutôt sympathique. Hein. Plutôt sympa, oui. J'aime bien ça, les beaux gosses. Pardon, excusez-moi, je me suis levée tôt. En parlant de Médoc, j'en ai un qui m'a rendu insomniaque. Bah dis donc, t'as du bol, toi. Crime experte en beaux gosses. Ah oui, ça c'est ma spécialité, je vous le dis tout de suite. Il y en a, elles font des belles maisons, il y en a, elles font des belles vidéos, il y en a, elles font des belles histoires. Moi, je fais des beaux gosses, c'est comme ça. C'est après tout chacun son domaine de compétence, hein. Oui, le beau gosse, t'inquiète pas, je te les pique. Ah oh, bah fais-toi plaisir. Ça fait longtemps que j'en ai pas créé quand même. Il faudrait peut-être que j'en fasse un ou deux pour renouveler mon stock parce que effectivement, ça fait longtemps que je ne m'y suis pas mise. Alors. Bah, dépression. Sinon, depuis l'âge de 12 ans, j'en ai 23. On va dire que je suis plus que chanceux d'avoir un corps chimique. Ah bah oui, ça c'est sûr qu'effectivement, quand t'es. Puis le problème des médicaments, c'est qu'on s'y habitue vite. Et que du coup, ils ont pas. Ils ont moins d'effet. Donc il y a un problème d'accoutumance et du coup je sais pas si on va fêter Noël quand même. J'ai un doute, on verra. S'il reste des sous après la rénovation, on mettra un sapin. Du coup je pense qu'on va finir cette journée Sim, c'est qu'on va s'arrêter avant Noël. Ça on se garde Noël pour demain. Enfin pour demain, non pas demain. Demain j'ai promis que je faisais Détroit. Donc, on se garde Noël pour lundi plutôt. Voilà, comme ça lundi, on fait un peu de Noël. Après, je vais faire une bonne sieste pour préparer World of Warcraft. Et puis voilà.
Je me demande si... Non, il neige pas dans le désert. Enfin, il tombe de la neige, mais elle tient pas. Je me suis mis là exprès parce que comme j'avais pas de maison au début, j'avais peur. On va faire crac crac, ils sont tous au bout de leur vie là. Allez. Et bonne journée, Calista. Merci d'être passée. C'est super gentil de ta part. Je sais d'où le capin. J'ai pas compris là, mais comme ça s'adresse pas à moi, peut-être que c'est normal. Ah, nickel. Utiliser. Enlever la nourriture gâtée. J'ai pas... Attends, non plus, t'as pas compris. D'accord. Oh, mais je me suis dit, peut-être comme s'adresser à toi, tu comprenais. Tu savais peut-être de quoi il s'agissait. Prendre une douche et puis ben... Allez, toile impressionniste, on n'en a pas fait encore. Plus il y aura de sous, plus on pourra faire une belle rénovation. Avec des baies vitrées. Moi je veux des baies vitrées, je vous préviens, il va y avoir des belles baies vitrées dans le salon. Ah, faut réparer... Qu'est-ce qu'il y a? Genre tu peux pas accéder au frigo. Je comprends pas. Qu'est-ce qui reste dans le frigo d'ailleurs? Oh, il y a encore tout ça. Bon, elle va prendre les restes, tu feras à manger demain. Le truc que je disais que je me demandais si elle allait neiger dans le désert, j'ai mis un capa pour faire la blague ou sinon il n'y en aurait pas eu. D'accord. Mais un sol et la tapisserie. Oui, bah oui. Non, non. Je vais garder les plaques de placo. Moi, j'aime bien. Et le béton. De toute façon, le béton, c'est fashion en ce moment. Donc. Non, bah si, je vais tout. Plus j'aurai d'argent, plus je vais pouvoir faire un Julien. Qu'est-ce qu'elle a, elle, encore? Elle a faim. Bah, viens manger, mon petit. Le frigo, il est plein! Allez, viens manger les tacos. Tu viens manger, puis après ta mère ou ton père te donnera un bain. Ouais, nickel. Désolée, je voyais juste une tête de bonhomme, donc j'ai pas compris que c'était une blague. En plus, je regarde le live sur ma tablette, parce que je joue aux Sims sur ma télé. Tu joues aux Sims sur ta télé? T'as bien de la chance, toi. Très contente d'avoir pu te suivre. Et moi, je suis très contente que tu aies pu venir au live. Merci beaucoup, Meryl. Je suis contente que ça t'ait plu aussi. Je peux pas jouer aux Sims car Origine me fait la mage des Sims et je veux pas finir. Et veut pas finir. D'accord. Il y a une nouvelle mage ou c'est parce que t'es en retard? Et ici. Tiens, ton père va te donner un bain. Et merci Killer pour le follow. Merci beaucoup. Ma télé me sert d'écran de PC, c'est un pur bonheur. Ah, tu m'étonnes. Oh, tu me diras, moi, vu la taille de la télé, si je mettais les Sims dessus, je crois que je serais perdue. Du coup, où elle va aux toilettes? Sûrement que je suis en retard. D'accord, ok. Va-t-elle arriver jusqu'aux toilettes? Ou va-t-elle se faire dessus? Présent plus que parfait. Ah oui, parce que demain c'est Noël, alors elle est au taquet. Ah ça y est, t'as fini ta toile toi? C'est genre c'est une toile finie ça. Ah oui, d'accord, c'est de l'art. Ça, c'est de l'art, je peux pas comprendre. Allez, aux toilettes. Moi, des fois, ma télé me sert d'écran, mais sinon j'en ai une deuxième. La télé fait office de troisième de temps en temps. Vas-y donc. Moi, j'attends toujours la mise à jour pour le correctif des images floues avec le toucher. Ouais, c'est chiant. Moi, je suis obligée de passer par impression écran, mais c'est relou.
J'ai qu'une 107 cm, mais c'est pas mal du tout. Oui, bah, c'est déjà pas mal. Ah, je peux enfin jouer. Ah bah, GG. Elle va réparer ça, attends. Réparer, prendre une douche. Et prendre des restes. J'ai fait des captures d'écran, je vais voir si elles sont vraiment floues. Chez moi, elles sont floues. Hein. Et j'ai l'impression que c'est vraiment chez tout le monde. Enfin, je connais personne qui a dit que chez lui, ça allait, mais... Si jamais, tu es peut-être l'exception qui va rendre tout le monde jaloux. Bon, sinon... Donc elle a le pain et tout va bien. Lui, ça va à peu près. De toute façon, on ne travaille pas tout de suite. Donc de toute façon, on a dit, on finit la journée et puis on continue jusqu'au matin de Noël. Et puis après, on s'arrête pour faire... pour préparer Noël et puis faire la rénovation de la maison du bunker. Et coucou Xelos. Coucou. Et ça fera pas mal, hein. On sera presque à 3 heures de live. Donc, il est temps que j'aille me shooter aux médicaments et manger un petit peu. Et dormir aussi, parce que je me suis levée tôt ce matin. Et que, du coup, avec ma blessure, j'ai un petit peu de mal à dormir, parce que je ne sais pas dans quelle position me mettre, c'est compliqué. Ah oui, effectivement, c'est pas terrible. Eh, t'as vu, hein? Le temps passe vite avec toi, oh, c'est gentil. Bah franchement avec vous aussi hein, ça passe vite hein, parce que j'ai pas vu passer les heures depuis ce matin. Donc j'ai l'impression que je joue depuis 5 minutes. Alors qu'en fait ça fait 2h, presque 2h40 maintenant. Donc non, ça passe super vite. Je vais les refaire en mode fenêtre. Non, bah, je suis en mode fenêtre et elles sont floues aussi. Ça marche pas. C'est vrai que ça fait déjà une heure que je suis là, je m'en suis même pas rendu compte. C'est quoi la musique? Ah, c'est ces vidéos. 6000, hein, on commence à avoir de l'argent, on va pouvoir faire une belle rénovation. Et on va pouvoir acheter un joli sapin. Tu veux papa? Elle est tendue. Allez, qu'est-ce qu'elle a? Elle est en mal d'amour. Oh, c'est beau. Elle va prendre des restes. Et puis, de toute façon, je crois que lui, il est en mal de divertissement. Donc, puis, c'est fait mal en plus. Pauvre petit chou. Allez, débarrasse un peu. Puis après, tu iras faire crac-crac avec madame. Et toi, attends, pourquoi t'es rouge? Parce que t'as besoin qu'on s'occupe de toi. Elle peut peut-être jouer avec toi, non? Jouer. Voilà. Et hop là. Allez, on y va. Tim? Oula. Ça se passe pas comme on avait prévu. Voilà, ça va remonter bien son social et avoir des beaux cadeaux, ouais c'est ça. C'est pour les cadeaux que je fais Noël en fait. C'est bon le social, ça remonte. Ok, nickel. Alors, retourne lire. C'est quoi ça? Je veux pas. Oui bah écoute. Allez, faire crac crac avec collier. Le romantisme chez Crime va faire crac-crac. Ouais, bah surtout qu'en plus on fait crac-crac que juste parce qu'ils s'ennuient, quoi. Ils s'ennuient, ils ont besoin de s'amuser. Hop là. Un petit tour sous la couette. Nickel chrome, on n'en parle plus. Ah. Hop, tu m'étonnes hein, que t'es contente.
Ça serait terrible pour la rénovation de la maison, ça. D'avoir une télé. Bon, hop, donc elle est full, tout va bien. Toile. Toile abstraite, on n'a pas fait abstraite encore. J'ai fait Noël il n'y a pas longtemps, j'ai eu un barbecue, mais ça j'avais lu. En fenêtre, c'est mieux. Ah bah écoute, si t'es vivante. Mais t'essayes avec impression écran? Parce que moi, enfin, c'est la solution la plus simple que j'ai trouvée, quoi. Ah, ça y est, t'as fini de dormir. Bah écoute, tu vas bosser un petit peu hein, parce qu'on va pas s'endormir sur nos lauriers. Qu'est-ce que. Bon, on va préparer à manger, on va attendre un peu, ça sert à rien de. Lire. Lire en jardinage. Oui, c'est comme ça que j'ai fait impression écran. Ouais, c'est ce que je fais. Moi, comme mes graphismes sont pas au top, même avec imprimé écran, je trouve que c'est pas. Ah oui, c'est le souci, quoi. Faut avoir un peu de. Une qualité graphique un peu. Assez importante, quoi. On va accélérer un peu pendant qu'ils sont tous occupés. Oh, faut pas respirer. Tu as faim, tu as faim. Ah, je voudrais le vendre, pas le contempler, autre chose à faire. Mais comme. Ah, ça, j'ai déjà lu. Ah oui, attends, faut faire se reproduire. Voilà, et. Et comme ça, elles aussi, elles peuvent se reproduire. C'est beau! Et on peut même mettre dans la. Bah, on va le faire 3 fois. On va gagner un pognon monstre avec ces grenouilles, vous allez voir. Bon, en attendant, refais une toile avant d'aller dormir, s'il te plaît. Allez, abstraite, hop, et dormir. Allez aux toilettes, et dormir. Et toi, je te dis d'aller. Allez, arrête, lâche la tablette. Mange et au lit. Allez, go! Tout le monde au lit. Tout le monde au lit, comme ça, ce sera la fin du live. Plante les graines que t'as trouvées. Je peux pas, Ayoub! Je peux pas. Je peux pas faire de jardin pour l'instant. Donc, je suis obligée de garder les plantes dans mon inventaire et je ferai un jardin. Plus tard, parce que pour l'instant, par rapport aux règles, je ne peux rien planter. Il faut que je débloque d'abord la restriction jardin. Ouf. Allez. Magnifique. Attends, avant de dormir, tu vas aller le vendre. Non, j'ai dit avant de dormir. Pourquoi il est venu dormir ici, lui? Ah, mais d'accord. Bon, bah, écoute. Et toi, pourquoi tu dors pas? Ah, si tu dors. Je sais pas pourquoi il est venu dormir là. Il n'a pas envie d'aller dormir dans son lit. Et voilà, on va s'arrêter là. Nous sommes donc le jour de Noël. Hop. Donc on va s'arrêter là pour le live. Merci à tous d'avoir été là hein, sur Twitch et sur YouTube. C'était voilà une première pour YouTube. Je pense que ça s'est plutôt bien passé, j'espère du moins. Donc c'est cool. Et puis ben, sur Twitch, merci. Vous êtes toujours aussi nombreux. Ça me fait super plaisir. Demain,
Demain, très certainement, je ferai donc demain matin un live, mais sur Detroit Become Human sur PS4. Et la suite du Rectory Challenge sera lundi matin. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Merci à tous d'avoir été là. C'est toujours un plaisir de jouer avec vous. Je vous rappelle que si vous voulez être au courant un peu de ce qui se passe et des prochaines diffusions, je vous invite vraiment à vous abonner, enfin, à me suivre sur Twitter parce que c'est vraiment là que j'annonce un peu tout ce qui se passe sur ma chaîne. D'ici là, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très très vite. Encore merci à tous. Oui, et follow ma chaîne, bien sûr, ça serait très gentil de votre part et ça me ferait énormément plaisir de voir ma barre de followers monter encore un petit peu plus. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très très vite, les amis. Gros bisous à tous !